Petite vidéo complémentaire ou tuto et au premier album Halloween. J'en ai refait un deuxième pour une amie. Donc pour le coup, j'ai moins. Vous savez, j'ai pas bloqué des pages avec des embellissements faits en papier parce que, ben voilà quoi. Moi, là, c'est pas le mien. Donc je sais pas concrètement comment il va être investi. Je n'ai pas encore fait les tags, hein, mais je vous le présente comme ça. Les tags, il n'y aura pas de secret. Je pense pas que je ferai sortir des araignées. Par contre, du coup, je ferai sortir autre chose. Peut-être des petits châteaux hantés. Je pense, ouais, ça sera le petit château hanté. Donc, voici le nouvel album, hein, décliné. Happy Halloween. Donc, il n'a pas. C'est pas une vidéo qui a un grand intérêt, hein, puisque c'est exactement le même que l'autre. Il m'en reste encore deux des enveloppes oranges. Et comme ça suffit de faire des stocks, y compris d'enveloppes, et de papier, où c'est que peut-être ça servira, machin, je crois que je vais faire un troisième. Hein. Comme ça, l'affaire sera réglée. Je l'enverrai probablement cette fois-ci à mes vraies nièces et puis c'est tout. Il n'y aura pas de gros album pour Halloween. Donc voilà, celui de mon ami. Concrètement, je ne sais pas comment je vais pas lui rajouter plus parce que c'est elle qui investit ou pas quoi. Donc voilà, là on a à nouveau le petit minouche, les cœurs noirs et orange. Là on a une toile d'araignée. Les tags, je pense que je ferai, je sais pas si je vous l'ai dit, sortir la maison hantée, histoire de dire qu'on n'est pas les mêmes. Je sais que sur l'autre, j'avais été amusée à coller les araignées au bout de chaque tag, ce qui fait que ça faisait un décalé. Là, par contre, je le ferai peut-être en partant de là du début du tag, pour vraiment faire aussi un effet, entre guillemets, marche des onglets. Voilà, dis donc, ouais, c'est bien, on commence à avoir des gros trous, on commence pas bien. Par contre, je sais pas si les tags à l'intérieur, je les fais noirs. J'aurais bien envie de les faire orange avec justement la découpe noire du château. Donc, rien n'est décidé encore, hein. Et voilà. C'est, on va dire, la vidéo additionnelle du tuto et de la présentation du mien. Pour le coup, voilà. Et comme ça, je vais en avoir fini avec Halloween. Je vais pouvoir commencer Pâques. Non, mais bon, voilà. C'est pas l'idée. C'est ne jamais être en retard dans les photos. Parce que même en ayant découvert le scrapbooking, à un moment donné, je m'aperçois de ça, quoi. Je sais faire et j'ai les photos, sauf que, ben ouais, j'ai les photos, mais j'ai pas l'album. Donc du coup, quoi, et puis je fais d'autres photos. Puis du coup, ça mériterait d'autres albums. Et puis c'est comme ça que on prend du retard. Donc je pense que là en prévision, sur, de toute façon sur ce week-end, j'ai un défi ATC à relever dans le cadre d'un échange avec une très grande d'1,53 m. Donc j'ai ça. Et j'aimerais finaliser un envoi surprise à quelqu'un. Donc ma foi, il y a encore du boulot. Si j'ai le temps, je referai celui-là pour mes louloutes. Ma foi, je vous souhaite une bonne journée. Bisous!